Salut. Tu n'as jamais été aussi rapide. Ah, pour toi, je pourrais voler si nécessaire. Tu sais, ça, c'est le seul jaune que je peux voir en peinture. Ah oui? Parce que je déteste la couleur jaune. Oui, j'imagine. Eddie, ça te dit de refaire un petit tour cette nuit? Hein? Non, je ne veux pas. Pourquoi? Allez. C'est impossible. Pourquoi? Nous avons évité de peu que mes parents nous surprennent. Ils étaient à ça de nous découvrir, Nachi. Quoi, à ça? Tiens, regarde ce que j'ai écrit aujourd'hui. C'est un autre poème. Écrit pour la plus belle de toutes. Toi, tu es mon soleil. Si tu le dis. Voilà ce que tu as commandé. Voilà ton argent. Non, non, je t'en fais cadeau. Oui, la bouteille, c'est mon cadeau à moi. Il faut que je dépose une commande chez Daniela. Ah ben oui, évidemment. Elles viennent à peine d'arriver et elles commandent déjà des trucs à se faire livrer. Ah oui, je sais, mais bon, je sais comment la gérer, ne t'en fais pas. Oui. Ciao. Oui, ciao. T'es chaque jour un peu plus belle. Bonjour, livraison à domicile. J'ai ta commande comme prévu. Je sais, c'est moi-même qui l'ai passée. Alors... Eh bien voilà, tout est dedans. Et puis c'est pas très cher en plus, 16 000 pesos pour tout ça. Tiens, prends. C'est parfait. Tiens, voilà la monnaie. Non, tu peux la garder. C'est gentil. Dieu te le rendra. Mais à une seule condition. Oui? Chaque fois que tu viendras livrer un truc chez moi, tu t'arrêteras pas chez l'autre nouille là-bas. Comment ça, quelle nouille? Comment ça, quelle nouille, Nachi? À ton avis, de qui je peux parler? Je te parle de Catalina, la moche là-bas. Catalina n'est pas une nouille, elle n'est sûrement pas moche. Catalina est la plus belle fille que j'ai jamais connue. Respecte-la. Toi, respecte-moi. Mais ça va pas? T'es malade? Pourquoi est-ce qu'elle jette tout ça? Quelle mal élevée! C'est une punaise, une méchante fille, voilà ce que c'est! Ne fais pas attention à elle! Elle n'a aucune manière! Qu'est-ce qu'elle croit, celle-là, qu'elle peut maltraiter les gens comme elle veut? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Regarde, maman! La fille de la diablesse, elle est complètement dingue! Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a jeté ses commissions sur ce pauvre garçon à l'instant, juste devant moi! Enfin, écoute... Ça ne nous regarde pas. Allez, entre vite, ne regarde pas dans cette direction, hein? Allez. Maman, on ne peut pas... On ne peut pas aider ce garçon à ramasser ses affaires. Allez, viens, on y va. Allez, dis oui. Oui, toutes les deux. Traversons la route ensemble. Allez, dis-moi que oui. Hein? Oui. D'accord. On a vu ce qui t'était arrivé, alors laisse-moi t'aider. Non, t'en fais pas, il ne sait rien passer. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec les gens comme ça, parce qu'ils ont de la... Catalina, ne peux pas dans un état pareil, c'est pas rien passé. La dernière fois, mais vous... Vous avez perdu un truc, Madame Santana? Non, non, pas nous, Madame Beltrán, mais votre petite-fille, si. Alors qu'est-ce qu'elle a perdu, ma petite-fille, dites-moi? C'est bonne manière, voilà ce qu'elle a perdu, oui. Quoi, pardon? Tu as bien entendu, Jessica. J'ai dit que ta fille avait perdu ses bonnes manières et tu le sais très bien. Hilda, ma fille, c'est mon problème à moi. Allez-vous-en tout de suite! Tout de suite! Plus Catalina. Vite! Allez, on rentre. Allez, allez, allez. On rentre à la maison, dépêche-toi. Ne venez plus me chercher.